grande salle du palais du 15 janvier a réuni plusieurs personnes, parmi lesquelles des jeunes de divers horizons et des membres du gouvernement, pour montrer l'importance et le sérieux qui rêvait ce rendez-vous. Surnommée soirée de l'art oratoire, cette rencontre qui a clos les activités de la semaine de la citoyenneté a mis aux prises 10 jeunes filles d'expression arabe et française. À l'issue d'une présentation de leurs initiatives qui vont dans le sens de la bonne conduite dans la société, deux lauréates ont requis l'assentiment du jury. La soirée a également été agrémentée par le passage des artistes musiciens qui ont égayé le public. Ces derniers seront secondés par des humoristes qui ont mis en exergue les mauvaises pratiques en cours dans notre société. Malgré son côté humoristique, le public, tout en se tordant des rires, a reconnu l'existence de cet art dans leur paysage immédiat. Objectif atteint, car la semaine de la citoyenneté vise deux axes majeurs, la lutte contre l'incivisme caractérisé et la recherche de la propriété tout autour de nous. L'autre axe étant la préservation de notre environnement par le biais du reboisement. Prions pour que ces deux vertus, qui ont été valorisées tout au long de cette semaine par les plus hautes autorités du pays, s'ancrent dans nos habitudes, en lieu et place des célébrations festives, sans effet aucun.